déguster ensemble ce Saint-Émilion 2016 Château Grave d'Artus, la cuvée du bonheur. On a un nez qui est puissant, qui est intense, marqué par les fruits noirs, des notes fumées et des notes légèrement axées sur le cuir. À la dégustation, on a un vin qui est puissant, qui a des épaules, qui a de la profondeur, qui est marqué par le fruit et toujours ses notes fumées. C'est un vin qu'on associera plus volontiers à des viandes. On pourra faire par exemple une poitrine de cochon, carré d'agneau. Ça fonctionnera très bien également avec un confit de canard pour un accord plus régional. Je vous souhaite une très belle dégustation.